Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Project Sam Sampler. Donc c'est un rack extension pour Reason qui va vous permettre d'utiliser des instruments orchestraux pour vos compositions, pour faire de la musique à l'image ou même tout type de production musicale à partir du moment où vous avez besoin de violon, de brass, woodwind, enfin bref, pas mal d'instruments d'orchestre. Donc il est au prix de 99 € sur le shop de Reason. On a une banque de sons qui va faire à peu près 2,6 gigas. Il y a quand même pas mal d'instruments d'une excellente qualité. Après, le seul petit défaut que je vais trouver à ce rack, c'est qu'on n'a pas d'articulation par rapport aux instruments. Mais pour le reste, ça fait le taf, c'est très simple. Et ça sera à tester. Ensuite, en allant directement sur le site donc projectsam.com, vous avez aussi l'accès à diverses VST faits par la marque. Donc, que ce soit les Symphobia, les orchestrales, je vous laisserai aller faire un tour donc projectsam.com. Hein, y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes à tester. Et vous avez même une partie orchestre libre, donc gratuite, pour pouvoir tester différents types d'instruments type orchestral. Donc au format VST et entièrement gratuit. Donc ça, je vous laisserai aller jeter un petit coup d'œil, et là, on se retrouve directement dans Reason. Alors j'ai créé un petit morceau qu'on va s'écouter tout à l'heure. On va déjà aller faire un petit tour du propriétaire par rapport à ce rack extension. Donc en fait, on va avoir un écran central dans lequel on va pouvoir voir les différents presets qu'on a. Donc on a des strings, des brasses, woodwind, key and harp, percussion et full orchestra. Ensuite, chaque section va avoir différents petits presets. Donc là, je suis en string sustain, trémolo. Je vais peut-être augmenter un peu plus pour le trémolo. Donc c'est quand même relativement bien fait. Hop. Ensuite, on a staccato, donc pour faire des attaques. Pizzicato. Et enfin, des FX. Donc pour mettre une certaine ambiance, donc pour la musique à l'image, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir les brasses et ainsi de suite, vous allez avoir. Vos diverses presets. Hop, des FX. Solo trompette. Solo horn. Et ensuite, on a les bois. Hop, un staccato, donc différentes façons de jouer. Des effets. Solo de flûte.
Cain Harp, donc Celesta. Church Organ, donc orgue d'église. Harpish Chord. Concert harpe, voilà. Ensuite, on a les percussions. Timpani. Hop là, pardon. Percussion, donc timpani. Xylophone. Hop, big drum. Ensuite, on a full orchestra avec des cordes. Et enfin, des choirs. Et donc, dans une prod, on peut faire ça, on peut utiliser ça. Donc là, j'ai fait vraiment une petite prod avec une 808, des drums, hop, quelques racks de Project Sam, et ça donne ça. Un autre avantage de ce rack, il est vraiment très très léger. Donc ça permet de pouvoir accumuler pas mal de RE directement dessus et de pouvoir faire de très belles orchestrations. Donc voilà pour ce qui est de cette présentation de Project Sam Cinematic Sampling, donc Orchestral Sampler. C'est vraiment un très bon rack. J'espère que par la suite, ils vont rajouter des articulations, ça serait super bien. Mais sinon, déjà, la qualité des instruments qui ont été samplés est vraiment excellente. Et sur le site, hein, comme je vous l'ai dit, vous avez accès à d'autres instruments, mais au format VST, et vous avez une petite bibliothèque avec des VST gratuits pour tester directement la qualité de tous ces instruments. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires sur ce type de RE directement sous la vidéo. Pensez à venir nous rejoindre sur le Discord musique pour pouvoir poser des questions. C'est plus simple sur le Discord pour pouvoir communiquer.
Laissez vos commentaires si vous en avez, lâchez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sélectionnez la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut!